Stupeur et désolation à la découverte du corps sans vie de Calvin et la Anda. L'agent de car en service au centre Kangwata de Bafia a trouvé la mort dans des circonstances troubles dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août 2023. Le drame s'est produit sur le pont sur la rivière Ngwen. Nous sommes au village Mbiamo dans l'arrondissement de Bafia. Selon certains témoins, c'est en rentrant chez lui aux environs de 20h qu'il a fait une chute alors qu'il était à bord de sa moto, avant de se retrouver dans ce cours d'eau où il a rendu l'âme des suites de noyade. On a eu plusieurs cas ici, le monde a encore eu de mort. Donc le problème c'est le pont. Est-ce que c'est normal qu'on ait un pont comme ça, en pleine ville? C'est la négligence des autorités. Si le doigt accusateur est pointé en direction de ce pont, dont le mauvais état fait constamment paniquer ceux des piétons et des automobilistes qui l'empruntent au quotidien, la thèse d'un assassinat planifié ou d'une agression qui a mal tourné n'est également pas à écarter. Ce d'autant que la moto du défunt est restée sur le pont avant qu'elle ne soit dégagée plus tard pour faciliter la circulation. Voilà, nous avons l'anisop. Toujours est-il que des rites ont été effectués par les membres de sa famille, dépassés par cette disparition aussi soudaine que brutale. L'anisop plus le sang. C'est ce que nous allons faire pour clôturer cette cérémonie. Des enquêtes ont été ouvertes dès la découverte du corps inerte le lundi 21 août, dans la foulée de la descente sur les lieux du 3e adjoint préfectoral de Bafia, du régional de Kamwata, des forces de maintien de l'ordre et du représentant du chef du village Mbiamo. L'épouse du défunt inconsolable vit des moments difficiles après avoir perdu connaissance. Pendant que dans la ville de Bafia, une foultitude de questions traverse les esprits sur le comment et le pourquoi d'une telle tragédie. Aux dernières nouvelles, la dépouille de Calvin Ella Anda aurait été transférée à Yaoundé pour une éventuelle autopsie.